Disclaimer, je vous invite à le lire. Cette émission n'est absolument pas un conseil en finance, c'est un partage entre Universal Trading et tous les auditeurs de la chaîne. Allez, jingle, c'est parti. Bienvenue sur cette market close. Donc au niveau des résultats, plan USD CAD OK, le plan AUD en cours et le plan DAX OK. Ça s'excite. Donc là sur le DAX, tout simplement le plan ce matin c'était un achat au-dessus à la sortie de cette zone de range pour aller rechercher notre TP1. Il a été touché direct, puis après ça s'est modifié et on était sur la sortie de cette figure de consolidation sur break pour aller rechercher des TP inférieurs. Là le TP1 a été touché, le TP2 pas encore, mais ça ne saurait tarder pour l'instant. Enfin en tout cas on maintient toujours la pression bearish sur le DAX. Dans l'après-midi, bien sûr. Ensuite, sur le CAD, donc là, on avait une belle propos aujourd'hui. Voilà, c'était en termes de 1 heure, tout simplement, hein, avec JG, d'ailleurs, on avait vu ça. Shorter à 1,29, 43, 44, belle proposition. Voilà, c'était notre plan aussi. Et donc, on est venu au TP1 et TP2 direct sur la boule TL. On l'a enfoncé même, et là, on repart directement. Voilà, il y avait deux beaux plans de trading aujourd'hui, rien d'autre parce qu'on est très 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 ranging, on attend demain les annonces US bien sûr. Voilà,